Alléluia. Praise the Lord. Quelqu'un lit pour nous Genèse chapitre 35. Someone reads for us Genesis chapter 35. Du verset 1 au verset 5. Reading from verse 1 to verse 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Ce passage, this passage, nous enseigne sur la nécessité de se réconcilier avec Dieu pour avoir la victoire dans la bataille contre les principautés. Teaches us about the necessity for us to reconcile with God in order to have victory in the battle against principalities. Jacob avait rencontré Dieu. Met God. C'était à un endroit précis. It was at a precise place. C'était à Bethel. It was in Bethel. Le ciel, il avait vu en vision le ciel ouvert et les anges de Dieu descendre. He saw in a vision heaven opened and the angels of God descending. Il fit l'expérience d'une rencontre dynamique avec Dieu. He experienced a dynamic encounter with God. Il a adoré Dieu là. He worshipped God there. Il a fait un vœu à Dieu là. And he made a vow to God there. Et il est parti. And he went. Alléluia. Praise the Lord. Et après son séjour auprès de Laban, and after he stayed next to Laban. Un séjour pénible. A very difficult stay. Parce que Laban ne voulait pas le laisser rentrer avec les richesses. Because Laban did not want to let him go back home with wealth. Dans sa relation avec Laban, Laban voulait toujours escroquer Jacob. In his relation, il voulait l'utiliser sans payer. In his relation with Laban, Laban always wanted to crook Jacob. He wanted to use him without paying him. C'est par bonté. It is by goodness. La bonté de Dieu. The goodness of sa God. Sa miséricorde. His mercy. Ses compassions. His compassions. Qui ont permis à Jacob de rentrer avec des richesses. That allowed Jacob to go back home with riches. Mais en rentrant, il est parti s'installer à Sichem. But when going back home, he went to dwell in Sichem. C'est là-bas qu'on a kidnappé sa fille et qu'on a violée. That the place where his daughter was taken away and raped. C'est aussi là-bas. It is also there que ses fils ont tué ceux qui avaient commis le crime contre leur sœur. His sons killed those who committed the crime against their sister. Et il était troublé. And he was troubled. Il était faible. He was weak. Et il se disait que ses fils ont provoqué la colère des ennemis. And he told himself that his sons have raised the enemies to anger. Il savait qu'il n'avait aucune puissance militaire pour combattre. He knew that he had no military power to fight back. Il sortait d'un séjour qu'on pouvait qualifier d'esclavage. He was coming out from a stay that could be qualified as a bondage. Dieu a décidé de le sauver.
God decided to save him. Il est venu vers lui. He came to him. Comme il vient toujours vers l'homme. As he always comes toward man. Hallelujah. Praise the Lord. Et il a dit à Jacob. And he told Jacob. Lève-toi. Rise up. Va à Bethel. Go to Bethel. Demeure-y. And remain there. Stay there. Bâtis-moi un hôtel là-bas. And build an altar there. Parce que c'est là. Because it is que there. Dieu s'était révélé à lui. That God revealed himself to him. Quand il avait invoqué Dieu. When he called upon God. Quand il fuyait son frère. When he was fleeing away from his brother. La mort. When he was running away from death. Mais au retour, but on his way back, il a oublié qu'il avait fait un vœu à Dieu. He forgot that he made a vow to God. Que je viendrai t'adorer ici. That I will come and worship you here. En payant les dîmes de tout. By paying the tithe of everything. Si tu me bénis pendant mon voyage. If you bless me during my si je reviens avec des biens. If I come back with riches. Je t'adorerai ici. I will worship you here. C'est une attitude caractéristique de l'être humain. That is an attitude that characterizes the attitude of human being. Oublier ses vœux à Dieu. Forgetting his vows to God. Oublier ses engagements à Dieu. Forgetting his commitments to God. Je ne crois pas un seul instant. I don't believe only one instant. Qu'on peut avoir dans ce lieu. That we can have in this place. Quelqu'un qui n'a jamais dit à Dieu, je veux te servir. Someone who has never told God, I want to serve you. Si tu vérifies, if you check it well, chacun a déjà au moins pris cet engagement au moins une fois dans sa vie. Each one here has already taken this commitment at least one time in his life. Je vais t'adorer. I want to worship you. Et puis on oublie. And after we forget him. On se retrouve chez les féticheurs. And we find ourselves at a fetish man. Hallelujah. Praise the Lord. Et on se retrouve dans des problèmes. And we find ourselves in troubles. Et on veut le secours de Dieu. And we want God to rescue us. Et on oublie qu'on a violé tous les engagements qu'on a pris pour and le servir. We forget that we have violated all the commitments that we have taken to serve him. On oublie même qu'on doit le servir. We even forget that we have to serve him. On sait seulement qu'il doit intervenir. We only know that he must intervene. Chacun lui rappelle à Dieu qu'il est fort, qu'il est, oh, tu es souverain, tu es grand. Each one recalls God that he is strong, powerful and sovereign. Chacun rappelle à Dieu ses responsabilités vis-à-vis de l'homme. Each one recalls God his responsibilities vis-à-vis man. Chacun lui dit ne m'abandonne pas. Each one says do not abandon me. Mais personne ne se pose la question. And no one asks himself put himself est-ce the question. Est-ce que je suis fidèle? Am I faithful? À ma décision de le servir. In my decision to serve him. J'ai pris la décision, j'ai oublié, j'ai oublié. I took the decision, I forgot, I took it again and forgot. Tu vas trouver des gens qui sont baptisés, bien, ils vont à l'église, ils ont les Bibles, ils vont à l'église, ils vivent dans le péché. You find people who are baptized and they are in the church and live in sin. Une jeune sœur a rendu témoignage hier, elle était à la chorale. A young sister testified yesterday that she was in a choir. Mais elle vivait dans l'immoralité sexuelle. But she was living in sexual immorality. Dieu veut t'aider. God wants to help you. Mais tu dois agir. But you must take an action. Dieu veut t'aider. God wants to help you. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. But there's something you must do. Dieu veut intervenir. God wants to intervene. Il veut intervenir. He wants to intervene. Il voulait aider Jacob. He wanted to help Jacob. Il est venu vers lui. He came to him. Il dit Jacob. He said Jacob. Lève-toi. Rise up.
Va à Bethel. Go to Bethel. Demeure-y. And dwell there. C'est pas une visite aller-retour. Va, tu y restes. It's not a visit in and out. You go there and you remain there. Tu, si tu dois donner ta vie à Jésus, tu restes, tu demeures en lui. You must give your life to Jesus and remain in Him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Va à Bethel. Go to Bethel. Demeure-y. Remain there. Vous savez, dans le discours, il y a des points essentiels. You know that there are essential capital points in the discourse. Tout ce qui va venir après, whatever comes later, dépend de ce que Dieu a dit. Depends on what God has said. Dans la première phrase. In the first word. Va à Bethel. Go to Bethel. Demeure-y. Remain there. Il n'a pas dit va à Bethel point. He didn't say, go to Bethel and full stop. Va. Go. Demeure-y. Remain there. Reste là. Reste en Christ. Remain there in Christ. Tu vas donner ta vie à Jésus aujourd'hui et tu vas rester avec lui. You will give your life to Jesus today and you will remain with him. Vous savez pourquoi les gens disent que quand je suis venu à la CMCI, quand je suis venu à la CMCI. You know why when people say when I came to CMFI, when I came to CMFI? Parce que nous n'avons pas appris à donner la religion aux gens. Because we did not learn to give religion to men. On nous a appris à donner Jésus. We have been taught to give Jesus. À donner Jésus. To give Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Va à Bethel. Go to Bethel. Demeure-y. Remain there. Voilà comment Dieu prêche. This is how God preaches. Toi, tu veux faire tawa tawa, un pied dedans, un pied dehors. You want to make tawa tawa, a foot in and a foot out. Va à Bethel. Go to Bethel. Va à Bethel. Go to Bethel. Demeure-y. Remain Demeure-y. There. Remain there. Ton problème, c'est là. Your demeure. Problem. Demeure. 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 Remain. Remain. Ne dis pas je crois en Dieu, je l'aime, je prie, je est-ce que tu es, va à Bethel, reste dedans. Assieds-toi. Do not say that I love God and assieds-toi, assieds-toi bien. No, go to Bethel and sit down. Comme quelqu'un qui est arrivé. As someone who has got to comme his quelqu'un destination. Quelqu'un qui est arrivé. As someone who has got to his destination. Et Jacob a compris. And Jacob understood. Parce que pour demeurer quelque part, because to remain somewhere, il faut enlever ton cœur de tout. You must remove, take away your heart from everything. Si tu avais trois dieux, if you had three gods, il faut éliminer certains. You have to eliminate some of them. Un seul doit rester. Only one must remain. Le Seigneur éternel. The eternal God. Le créateur du ciel et la terre. The creator of heaven and earth. Qui a aimé le monde. Who loved the world. Qui a envoyé son fils. And sent his son. Il a dit. He said. Celui-ci est mon fils bien-aimé. This one is my beloved son. À qui j'ai mis toute mon affection. In whom I have put all my love. Écoutez-le. Listen to him. Personne ne peut prétendre adorer le vrai Dieu dans notre génération s'il n'écoute pas Jésus. No one can pretend to worship God in our generation if he does not listen to Jesus. Tous ceux qui sont les ennemis de Jésus, all those who are enemies of Jesus, n'auront jamais la vie éternelle. Will no more have, will never have eternal life. Dieu a dit, God said, écoutez-le. Listen to him. Si tu n'écoutes pas Jésus, if you don't listen to Jesus, tu ne peux pas être croyant. You cannot be a believer. Selon Dieu. According to God. Hallelujah. Praise the Lord. Et Jacob s'est levé. And Jacob rose up. Il a dit à sa maison. He told to his household. Dieu me demande. God requires me. De me lever. To rise up. Et d'aller à Bethel. And to go to Bethel. Pas d'aller sacrifier et revenir. Not to go and make sacrifice and come back. Ce n'est pas que je vous laisse, je pars, je fais, je reviens. It's not that I leave you here, I go and do it and come back. Je dois aller. I must go. Je dois y rester. And remain there. Donc, so, tous ceux qui ont des idoles,
All those who have idols, apportez-les-moi. Bring them to me. Tous ceux qui ont les faux dieux, all those who have fake gods, apportez-les-moi. Bring them to me. Aujourd'hui, c'est la séparation radicale d'avec tous les faux dieux. Today is the radical separation from all the false gods. Et ils ont apporté tout. And they brought all. Tout ce qui était idole dans leur cœur. Whatever was an idol in their hearts. Ce jour-là, that day, si tu estimais que ta chaussure est une idole, tu apportes. If you thought that your shoe is an idol, you bring it. Si tu as un collier, if you have a necklace, qui occupe une place de Dieu, tu apportes. That takes the place of God in your heart, you bring it. En tout cas, tout ce qui avait pris la place de Dieu devait venir. Whatever has taken the place of God was to be taken. Et on a remis tout à Jacob. All was given to Jacob. Et Jacob a tout ramassé, il est parti enterrer. And Jacob took them all and buried them. Hallelujah. Praise the Lord. C'était le signe. It was a sign. La preuve. The evidence. De l'obéissance radicale. Of radical obedience. Il y a des gens, quand on leur dit de donner la vie à Jésus, ils jouent et puis ils disent qu'ils ont donné la vie à Jésus. There are some people when you say give your life to Jesus, they joke a bit and they say they are going to give their life to Jesus. Tous les dieux sont là. All the gods are there. Et ils disent qu'ils ont donné la vie à Jésus. And they say that they have given their life to Jesus. Quand on donne la vie, when we give life to les Jesus, autres dieux sont enterrés. The other gods are buried. Enterrés, brûlés, buried, bannis, crushed, bannis, destroyed. Quand on donne la vie à Jésus, when you give your life to Jesus, les divisions, la colère, division, les wrath, rancunes, bannis, customs, banished. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce que je veux dire, what I want to say, c'est que quand Jésus entre, that is when Jesus il enters, y a des grandes réconciliations. There are great reconciliations. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand Jésus entre, when Jesus enters, il y a des très grandes réconciliations. There are very great reconciliations. Le Père et le Fils. The Father is there, the Son. La mère. The Mother. Le Fils, la fille. The Son, the daughter. Quand Jésus arrive, la haine finit. When Jesus comes, hatred is over. La méchanceté finit. Wickedness finishes. L'infidélité finit. Unfaithfulness is over. Si tu es prêt, if you are ready, à accepter Jésus, to accept Jesus, de cette manière-là, in that way, c'est toi qui es le vrai croyant. You are the true believer. Jésus a dit, Jesus said, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Why do you call me Lord, Lord? Et vous ne faites pas ma volonté. And you don't do my will. La Bible dit que quand Jésus était à Jérusalem, beaucoup de Juifs avaient cru. The Bible said that when Jesus was in Jerusalem, many Jews believed. Et ils ne se fiaient point à eux. But he did not trust them. Parce qu'il connaissait ce qui était dans le cœur de l'homme. Because he knew what was in man's heart. Tu es assis là. You are sitting there. Jésus connaît ce qui est dans ton cœur. Jesus knows what is in your heart. Si tu veux sortir et aller dans un maquis après ici, Jésus sait. If you are planning to go to a pub after here, Jesus knows. Si tu as dit à une prostituée, attends-moi la sortie, Jésus sait. If you have told a prostitute, wait me at the end, Jesus knows. Si tu es venu même avec une prostituée, even if you came with a prostitute, ici, here, il n'est pas ta femme, elle n'est pas ta femme. Who is not your wife? Tu dis allons. You say, let us go. On va prier pour nous, on aura les papiers, on va aller en Angleterre. They will pray for us and we get the papers and go to England. Jésus sait. Jesus knows que les prostituées sont dans cette salle. That prostitutes are in this hall. Et il t'appelle à lui. And he's calling you to him. Il te dit, he tells you, viens à moi. Come to me. Les choses ont évolué. Things have evolved. Bethel ici, c'est Jésus. Here, Bethel here is Jesus. Il a dit, he said, venez à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. All you who labor. Je vous donnerai le repos. I will give you rest. Si tu donnes ta vie à Jésus. If you give your life to Jesus. C'est là ton Bethel.
That's where your battle is. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. All those who gave their life to ils Jesus. Ils sont entrés dans Bethel. They have got into Bethel. Ils demeurent en Bethel. And they remain in Bethel. Ils demeurent. They dwell there. À Bethel. In Bethel. Si tu es sorti. If you went out. Le Père te dit de retourner là où tu étais. The Father is telling you to go back where you were. Quand Jacob a obéi. When Jacob obeyed. Dieu est descendu au milieu d'eux. God descended in their midst. Il y avait une telle terreur. There was such a terror que l'ennemi ne pouvait pas les poursuivre. That the enemy could not pursue them. Beaucoup sont poursuivis dans les songes et ils se mettent à s'enfuir. Many are pursued in their dreams and they start running. Si tu donnes ta vie à Jésus, if you give your life to Jesus, ce sont tes ennemis qui vont s'enfuir. It is your enemies that will flee. Je n'avais pas encore expérimenté la puissance de Dieu. I had not experienced the power of God yet. Un jour, je dormais. One day I was sleeping. Bon, je sortais du catholicisme où on ne sait même pas prier, on ne sait pas chanter. I was getting out of Catholicism where we do not know how to pray and sing. Je vois un monsieur grand de taille. I saw someone tall, very tall. Avec un grand chapeau à large bord. With a large hat. J'ai dit au nom de Jésus. I said in the name of Jesus. Il est devenu court. He became short. J'ai encore dit au nom de Jésus. And I said it again in the name of il Jesus. Il est tombé. And he fell down. And he started shaking. Je lui disais, il faut te convertir, il faut te convertir. I told him, get converted. Donc c'était un sorcier. That it was a witch. Donc cette affaire de Jésus là. So this matter of Jesus. C'est pas les amusements. It's not a joke. C'était la première fois. It was the first time. Je me suis dit mais. I told myself. Un autre jour je dormais, je vois quelqu'un vous m'appuyer, je dis au nom de Jésus, il disparaît. Another day I was sleeping, I saw someone came and lean on me, I said the name of Jesus and he disappeared. Je me suis dit mais il venait faire quoi? I told myself, what was he coming to do? Donc, les païens souffrent. I told myself, okay, then the unbelievers suffer. Si je n'étais pas en Christ, il venait faire quoi? If I was not in Christ, what was he coming to do? Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Va à Bethel, va à Bethel. Go to Bethel, go to Bethel. Ou venez à moi, dit le Seigneur he Jésus. He said, come to me, Lord, the Lord Jesus said. Venez à moi, venez come à to moi. Me, come to me. Venez à moi, venez come à to moi. Me, come to me. Il a dit, le Fils de Dieu apparu. He said that the Son of God appeared. Afin de détruire les œuvres du diable. In order to destroy the works of the devil. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Is there someone in this hall? Qui veut dire à Jésus, je viens. Who wants to tell Jesus, I come? Il ne l'a jamais fait d'une manière sincère. He had never done it in a sincere way before. Et il vient de prendre la décision dans son homme intérieur de le faire maintenant. But he has just taken a decision in his inner man to do it now. Avec toutes les conséquences. With all the consequences. Il dit Jacob a enterré ses faux dieux. He said that Jacob buried the false gods. Moi aussi je vais les enterrer ce out, soir. I too will bury them tonight. Dieu et Dieu regarde. God is watching. Et il voit comment les décisions sont en train d'être prises. And he can see how decisions are being taken. Il voit ceux qui ne veulent pas le faire. He sees those who don't want to do it. Et il demande qu'ils écoutent l'exhortation. But he is asking them to listen to the encouragement. Parce que leur salut dépend de leur obéissance. Because their salvation depends on their obedience. Si tu veux le faire maintenant, if you want to do it now, raise your hand. Venez, venez rapidement. Come, speedily. Viens, montez ici. Come up here. Tous ceux qui sont décidés. All those who are committed. À venir et à demeurer en Christ. To come and remain in Christ. Venez. Come. Si tu as un sac, va prendre. Si tu as les effets, va chercher. If you have your bag, go and take it. Oui, venez. Yes, come. Vous avez écouté la chanson. You listen to the song.
Venez, 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 venez. Come, come, come. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Rise up and come, rise up and come. Tu dois jeter toutes les idoles, tu viens ici. You must cast away all the idols and you come here. Tu décides. You decide. Que ton Dieu c'est Jésus. That your God is Jesus. Tu décides. You decide. Que ton Seigneur c'est Jésus. That your Lord is Jesus. Tu décides. You decide. Que ton Seigneur c'est Jésus. That your Lord is Jesus. Tu décides. You decide. Que ton Seigneur c'est Jésus. That your Lord is Jesus. Tu décides. You decide. You decide. Que ton Dieu. Que ton Dieu c'est Jésus. It is your God. It is your God. Tu décides. You decide. Que les autres dieux doivent être jetés dans le feu. Must be cast in the fire. Et tu viens ici. And you come here. 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 Tu viens ici. 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 You come here. Tu viens pour demeurer, pour demeurer. You come to remain, to remain and remain. Si tu entrais, tu sortais, tu entrais, tu sortais. If you were coming in and going out and coming in and going out. Le Seigneur te demande maintenant. The Lord asks you now de venir to come pour ne plus ressortir. In order not to go back anymore. Tu dois demeurer en lui. And to remain in him. Tu dois demeurer en lui. You must remain in him. Tu dois demeurer en lui. Remain in him. Tu dois demeurer en lui. You must remain in him. Tu dois demeurer en lui. You must remain in him. Ora la baga jor baga go jer baga go jer baga go jer baga go jer baga. Tu crois que Dieu existe, c'est bien. You believe that God exists is good. Mais Dieu veut que tu viennes demeurer avec lui. But God wants you to come and remain with him. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Rise up and come. Jésus-Christ a vaincu Jesus. Satan. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Jesus Satan. Has overcome the devil. Jésus a écrasé le diable. He has crushed the devil. Jésus a exposé le diable. He has exposed the devil. Jésus a exposé le diable. He has exposed the devil. Jésus a exposé le diable. Jesus has exposed the devil. Hallelujah. Praise the Lord. Vous allez vous donner à Jésus, vous allez rester avec Jésus. You are going to give your life to Jesus and remain with him. Vous donnez vos vies à Jésus, vous restez avec Jésus. You give your life to Jesus and remain with him. C'est fini avec tawa, 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 tawa. And you must finish with tawa, 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 tawa. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te donne ma vie. I give you my life. Pardonne-moi tous mes péchés. Forgive all my sins. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je ne suis rien. I'm nothing. Je ne suis rien. Je ne suis rien. J'ai besoin de toi. I need you. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Sauve-moi. Save me. Sauve-moi. Sauve-moi. Save me. Save me. Save me. Pendant qu'ils crient le salut, tendez les mains et bénissons-les. While they are shouting for salvation, let us stretch our hands. Continuez à crier à Dieu qu'il vous sauve. Ne demandez rien. Ne dites pas guéris-moi ou donne-moi l'argent. Les frères, ils vont demander ça pour vous. Do not ask vous anything. Demandez pardon seulement. You just ask God to forgive you. Just ask God to forgive demandez you. Pardon. Ask him to forgive you. Parce que tout ce que vous avez commis comme péché, because all that you have committed as sin, est devenu une barrière entre has vous. Become a barrier. Et pendant qu'on prie, si tu es touché, tu te lèves, tu viens avant la fin de la prière. While you are praying, if you are moved, you rise up and come here before the end of prayer. Lève-toi, tu viens avant la fin de la prière. Rise up and come before the end of the prayer. Lève-toi, tu viens avant la fin de la prière. Rise up and you come before the end of the prayer.
Hallelujah. Praise the Lord. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclame, acclame. Let us clap for Jesus. Jésus-Christ. Jesus Christ. Ce soir, tonight, nous allons demander à Jésus, we are going to ask Jesus, d'entrer dans nos familles, to get into our families. Tenons-nous debout. Quelqu'un nous lise Matthieu 9, verset 38. Let us stand on our feet and someone to read for us Matthew 9, verse 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Matthew. Relis. Reread it. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthew. Amen. Matthew 9, verse 38. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers in his harvest. Qui est le maître de la moisson? Who is the master of the harvest? Et la moisson, c'est quoi? C'est où? C'est ta famille. And what is the harvest? Where is it? It is your family. D'une manière pratique. In a practical way. Partout où il y a un pêcheur. Wherever there is a sinner. Il y a la moisson. There is harvest. Il faut des moissonneurs. Or that we need reapers. Et comme nous prions pour nos familles, and as we pray for our families, après avoir cassé, brisé les idoles, after breaking the idols, si nous laissons, if we leave it there, les mauvaises herbes vont encore pousser. The weeds will grow again. Il faut envoyer les ouvriers de Dieu. We must send the workers of God pour aller moissonner, to go and harvest. Un jour, one day, pendant que tes parents sont dans un car pour voyager, while your parents are in a coach to Dieu travel, va susciter un évangéliste. God will raise an evangelist. Qui va bombarder l'évangile dans le car. He will bombard the gospel in the coach. Quelqu'un va se convertir. Someone will be converted. Quand on vérifie, when we check, c'est ton frère. It is your brother. Ta sœur. Your sister. Ton oncle. Your uncle. Ton père, ta mère. Your father. Your mother. Allez. Partout où se trouvent les membres de ta famille. Wherever the members of your family finds themselves, Dieu va envoyer les ouvriers. God will send workers. La famille élargie. The large family. C'est-à-dire que si on prend ton père, on place, on prend ta mère, on place. That is, if you take your father and we put it there, your mother, we put it there. Tous ceux qui sont derrière eux. All those who are behind them. On prend ton beau, les familles d'alliance, ton beau père, on place tous ceux qui sont derrière. For those who have married, if you take your brother, your father-in-law, all those who are behind him. Tous ceux qui te touchent. All those who touch you. Sera béni. Will be blessed. Tous ceux qui sont derrière ton mari. All those who are behind your husband. Tous ceux qui sont derrière ta femme. All those who are behind your wife. C'est comme ça que Dieu va travailler. Un grand rayon. Il va balayer un grand rayon. That's how the Lord will work. A very big blimp that will cross all of them. C'est là où nous allons assister à la conversion des villages entiers. That's where. That's when we will witness the conversion of an entire village. Dieu va le faire.
God will do it. Et le grand frère Jésus, le conseiller, nous montre le secret de demander les ouvriers à votre père. And our elder brother Jesus, the counselor, tell us to ask workers, laborers to our Father. Certains, même sous la grotte, ils veulent aller faire comme avant. Dès qu'ils font ça, ils voient Jésus. Some of them, even under the cavern, they want to do like in the past, but they see Jesus there. Alléluia. Praise Parce the Lord. Que Dieu va utiliser toute son intelligence. God will use all his intelligence. Certains qui veulent faire... Some of them who want to ils do this. Ils croient en Jésus Christ, le and rocher. They lay their forehead Alléluia. On Jesus, who is the rock. Quand ils vont se redresser, when they will stretch themselves, c'est pour chercher où se trouvent les disciples. It is to see where they, to find the disciples. Et puis les pécheurs seront exigeants. And the sinners will be demanding. Ils vont chasser les faux prophètes. They will cast out false prophets. Et toi là, tu n'es pas vrai. Nous on you, a un frère là. You are not true. C'est lui qu'on va suivre. We have a brother. He's the one we follow. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Dis, oh Père. Say, oh Father. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Crois au Seigneur Jésus. Believe the Lord Jesus. Tu seras sauvé toi et ta famille. You will be saved, you and your family. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que j'ai cru au Seigneur Jésus. That I believe the Lord Jesus. Et je crois au Seigneur Jésus. And I believe the Lord Jesus. Que ma famille soit sauvée. Let my family be saved. Quand tu commences d'abord par bénir, que bénis avec la capacité d'écouter, bénis chacun avec la capacité d'écouter. Start blessing. Blessing each one with the ability to listen. Bénis ta famille avec la bless capacité d'accepter Jésus. The ability to accept Jesus. Dis, oh Père. Say, oh Father. Envoie les ouvriers. Send workers. Envoie les apôtres. Send apostles. Tes vrais apôtres. Your true apostles. Envoie tes prophètes. Send your prophets. Tes vrais prophètes. Your true prophets. Envoie tes évangélistes. Send your evangelists. Tes vrais évangélistes. Your true evangelists. Envoie les docteurs, les pasteurs et docteurs. Send your doctors, your true doctors. Envoie tes pasteurs et docteurs. Send your pastors and doctors. Tes vrais pasteurs et docteurs. Your true pastor doctors. Bénis leur œuvre. Bless their work. Oint leurs paroles. Anoint their words. Continue à intercéder. Continue to intercede. Ronda rabaka labaka seta karabaka kurabaka sana kabaka labaka kuriyabaka seta kabaraka sana kuriyabaka rabaka shika kurabaka rabaka rabaka. Crie à Dieu. Tell, cry out to God. Dis, oh Père. Say, oh Father. Que ta parole soit puissante. Let your word be powerful. Pour démolir le doute. To destroy doubt. Pour démolir l'incrédulité. To destroy unfaithfulness. Pour démolir les traditions. To destroy traditions. Pour démolir les coutumes. To destroy customs. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Et pour libérer les captives. And to release the captives. Pour libérer les captives. Set the captive free. Pour libérer les captives. Set the captive free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que ta parole soit puissante. Let your word be powerful. Pour briser l'idolâtrie. To break idolatry. Pour renverser toutes les idoles. To overthrow all the idols. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Toutes les idoles. All the idols. Que les idoles soient jetées au feu. Let the idol be cast into the fire. Dis, oh Père. Say, oh Father. Que les conversions soient telles que. Let the conversion be such that. Les idoles seront jetées au feu. The idol will be cast into the fire. Jetez au feu. Continue à prier. Dis, oh Père, que la puissance du Saint-Esprit soit telle que les collèges des sorciers seront vidés. Be in such that
the group of witch be vidé, vidé, vidé. Emptied, emptied. Que les sorciers sortent de la sorcellerie pour venir se donner à Jésus. To come and give their life to Jesus. Que leur délivrance soit authentique, authentique. Let their deliverance be genuine. Dis, oh Père. Say, oh Father. Oh Père. Oh Father. Agis de telle sorte. Act in such a way. Que la nouvelle. That the news. Ira partout, partout. Go everywhere, everywhere. Que tu es descendu dans mon village. That you have come down in my que family. Que tu agis dans ma famille. Act in my family. Continue à prier. Dis, oh Père, oh Father, renverse toutes les principautés. Overflow all the principalities. Qui nous ont tenus captifs jusqu'à ce jour. Which kept us captive up to this day. Ordonne la liberté. Command freedom. Ordonne la délivrance. Ordain the deliverance. Continue à intercéder avec violence. Oh Père, ordonne la liberté, ordonne la délivrance, ordonne la liberté, ordonne la délivrance, ordonne la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce se manifeste, que ta faveur se manifeste. Envoie, Seigneur, renverse les auteurs, renverse les dominations, renverse les autorités, disperse les rassemblements. Dis, oh Père, oh Father, tu as dit que nous sommes les prémices de ta créature. You said that we are the first fruit of your creature. Tu nous as sauvés les premiers. You have saved us the first. Quand tu es arrivé dans nos familles, when you came into our family, tu nous as sauvés. You saved us. Nous nous tenons devant toi. We stand before you. Pour te donner nos familles. To give you our families. Prends-les, Seigneur Jésus. Take them, Lord Jesus. C'est toi le vrai Dieu. You are the true God. Dehors les idoles. Que le diable soit chassé. Let the devil be cast out. Comme tu as dit toi-même. As you said yourself. Que l'heure vient où le prince de ce monde sera jeté dehors. That the time is coming when the prince of this world will be cast outside. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Dehors. Out. Tous les faux dieux. All the false gods. Et que le Seigneur Jésus règne. And may the Lord Jesus reign. Commence à intercéder pour le règne de Jésus. Start to intercede for the reign of Jesus. Le règne de Jésus, le règne de Jésus. Dis Seigneur, que ton règne vienne. Let your reign come. Que ton nom soit connu. May your name be known. Que ton nom soit sanctifié. May your name be sanctified. Que ton nom soit adoré. May your name be worshipped. Que ton nom soit adoré. Your name be worshipped. Continue à intercéder. Continue. Dis, oh Père, oh Father, que tous ceux qui sont tenus captifs par les féticheurs soient libérés. Let all those who are kept captive by punishment be released. Tous ceux qui ont été envoûtés par les féticheurs soient désenvoûtés. All those who have been bewitched by which will be this bewitched. Que tous ceux qui ont été envoûtés par les faux prophètes soient désenvoûtés. Let those who have been bewitched by the first prophet be this bewitched. Soient désenvoûtés, désenvoûtés. This bewitched, this bewitched. Que tous ceux qui sont dans des sectes, soient désenvoûtés. All those who are in sect be this bewitched. Continue à crier à Dieu. Continue to cry out to God. Demande qu'il libère, qu'il libère. Kolo bakasanda rabasondo koro basera batara basende kebere kala basende kajundo koro bakasende kere batara basene kundi ramasene kamara kanda ramasende kara kore mala basende kare mala basende ke rota na. Oh Seigneur Jésus, say, oh Lord Jesus, délivre-les de l'influence des divinités existant dans les eaux. Deliver them from the influence of divinity. Délivre-les. Deliver them. Délivre-les. Deliver them. De toute influence. From any influence. Des divinités. Of divinities. Existant dans les eaux, dans that les eaux. In the waters, in the waters. Continue à prier. Dis,
Dis Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Délivre-les des raisonnements. Deliver them from reasoning. Provenant des coutumes. Coming from customs. Et des traditions. And traditions. Délivre-les. Deliver them. De tout raisonnement. From any reasoning. Qui provient des coutumes et des traditions. Which is from the customs. Continue à prier. Tradition. Continue à prier. Dis ô Père, say, oh Father, délivre-les, deliver them de tout raisonnement from any reasoning provenant de leur amour pour le péché, from their love for sin, de leur amour pour le péché, coming from their love for sin, de leur amour pour le mensonge, their love for lie. Que tout raisonnement soit renversé. Let any reasoning be overthrown. Et que leur cœur s'ouvre à la vérité. Let their heart be open to truth. Que leur cœur s'ouvre à la vérité. Let their heart open to continue truth. À intercéder. Continue to pray. Tu peux t'asseoir. You can get seated. Donnez-leur des chaises. Give them chairs. Vous savez ce que nous sommes en train de faire. You know what we are doing. Est dans le cœur même des desseins de Dieu. Is in the heart of the purposes of God. Le salut de nos familles. The salvation of our families. Nous devons faire un effort. We must make an effort. Pour ne pas oublier le but de la croisade. Not to forget the purpose of the crusade. Nos fardeaux sont réels. Our burdens are real. Les oppressions. Oppressions. Les maladies. Sicknesses. Si on ne veille pas, if we don't watch, on va oublier le côté vie éternelle. We will forget the side, the part of eternal life. Nous sommes en train de prier. We are praying pour que nos familles soient sauvées. For our families to be saved. Qu'elles aient la vie éternelle. That they get eternal life. Et les guérisons, les bénédictions and the healings sont des cadeaux. And healings and blessings are gifts. Et ce qui arrive même va dépasser ce que nous avons déjà entendu. And what is coming is beyond. Greater than what we have already heard. Donc, quand vous venez, so when you invitez come, les membres de vos familles. Invitez les membres de vos familles. Invite the members of your families. Appelez ceux qui sont dans les villages. Call those who are in the villages. Rendez compte de ce qui se fait ici. Share with them what is happening here. Demandez-leur de se donner à Jésus. Ask them, tell them to give their life to Jesus. Dis-leur que aujourd'hui Jésus disait venez à moi, venez à moi. Tell them that Jesus was saying today, come to me, come to me. Et demeurez. And remain en moi. Remain in me. Dites qu'on a prié que les idoles soient jetées au feu. Tell them that we've prayed for idols to be cast into the fire. Vous aurez les nouvelles. You will have news. Dis amen. Say amen. Vous êtes les amis de Jésus. You are the friends of Jesus. Là où vous êtes. Where you are. Même si on t'a enterré. Even if you've been buried. Tu es déjà sorti. You have already come out. Même si on avait dit que tu ne seras rien. Even if it was said that you will be nothing. Tu es déjà libéré. You are already free. On dit que les sorciers mangent les gens. They say that the witch people eat people. Et c'est vrai. Il y a des sorciers qui nous ont avoué que c'est vrai. And it is true. There are witch people who told us it is true. Si t'ont déjà avalé, ils vont vomir. If they have already swallowed you, they have already swollen you, yeah, they will vomit you. Et vous allez ressentir ça dans votre santé physique. And you will feel this in your physical health. Vous aurez des témoignages vous-même. You will have testimonies yourselves.
Vous verrez que quand un sorcier va vous croiser, il va baisser le visage. You will see that when a witch person meets you, encounters you, he will turn and cast down his face. Certains vont dire que vous êtes sorcier. Some of them will tell you that you are witch people. Pourquoi? Why? Parce que quand ils viennent comme ils venaient avant. Because when they come as they used to come in the past, ils trouvent que ton esprit ne dort plus. They find that your spirit is no more sleeping. Et tu vas juger au nom de Jésus. And you will judge in the name of Jesus. Ils vont tomber. They will fall down. Après, ils vont dire aux gens que celui-là. And after they will tell people that bon. This one is not good. Nous étions au Mali, on chassait les démons. We were in Mali and we were casting out demons. Il y avait une fille à Malinké. Elle dit, tu es méchant, toi tu es méchant. Quelqu'un me dit que non, le démon dit que tu es méchant. There was a young lady who was saying in Malinké, you are wicked, you are wicked. Quand tu as Jésus, les démons vont dire que tu es méchant. Parce que Jésus est venu les juger. When you have Jesus, the demon will say that you are wicked because Jesus came to judge them. Dis amen. Say amen. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Toute la nuit. All night long. Seigneur, sauve ma famille. Lord, save my family. Envoie les ouvriers. Send laborers. Envoie les ouvriers. Send workers. C'est le cœur de la croisade. It is the heart. The core of the crusade. Les démons peuvent tomber ici, tomber the demons can fall here, fall mais there. Ce qui doit arracher les acclamations, but what must make us clap, c'est le salut de nos familles. It is the salvation of our families. Même s'il est pauvre, même si quelqu'un est pauvre, even if someone is poor, quand on t'annonce qu'il a cru, when you are informed that he has believed, il faut célébrer Dieu. You must celebrate Jesus. Parce que quand les sorciers utilisent les âmes là, because when the sorcerers use the souls, ils utilisent tout même les misérables. Quand l'esprit d'un sorcier t'attaque là, on ne dit pas que c'est un pauvre. When the spirit of a witch attacks you, we don't say that he's a poor. Donc il faut avoir la valeur spirituelle des âmes. So you must see the spiritual value of souls. Les petits enfants, the little children. Gagnez-les pendant ces jours. Win them during these days. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you.